Hugh Jackman et sa femme Deborah Lee ont décidé de se séparer à l'amiable après 27 ans de mariage. Une rupture qui s'est effectuée dans un immense respect, comme ils l'ont expliqué dans les pages du magazine People. Hugh Jackman et sa femme Deborah Lee ont été mariés pendant 27 ans. Le couple vient de révéler qu'ils se séparent, dans un communiqué commun dévoilé en exclusivité au magazine People. Nous avons eu la chance de partager près de 3 décennies ensemble en tant que mari et femme, une union aimante et merveilleuse. Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre chemin chacun de notre côté. Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité. Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse. Nous apprécions grandement votre compréhension quant au respect de notre vie privée alors que notre famille traverse cette transition dans toutes nos vies. Peut-on également lire ? Il précise, afin de conclure, que si est-il la seule déclaration que l'un ou l'autre de nous fera à ce sujet. Une bien triste nouvelle. Point pour rappel, ils s'étaient rencontrés sur le tournage de la série australienne Corelli, en 1995. Deborah et moi nous sommes rencontrés à mes débuts. J'avais 26 ans, je sortais à peine de l'école de théâtre. Elle a toujours été là pour moi depuis. Si est comme si elle avait tout prévu. Elle me disait, tu vas réussir, je vois pour toi une très grande carrière. Je pensais qu'elle cherchait juste à me flatter, mais 22 ans après, je peux dire qu'elle avait raison, avait raconté l'acteur australien pour nos confrères de gala en janvier 2018. Il avait également expliqué dans une autre interview être marié à la plus grande femme vivante. Elle est incroyable. Nous sommes les meilleurs amis, et nous partageons tout. Elle est intelligente, ajoutait-il. En avril dernier, à l'occasion de leur 27e anniversaire de mariage, la star de Greatest Showman faisait une belle déclaration d'amour à Deborah sur Instagram, « Je t'aime tellement ». Ensemble, nous avons créé une belle famille. Ils sont parents ensemble de 2 enfants qui l'ont adopté, Oscar, 23 ans, et Ava, 18 ans, note de la rédaction. Ton rire, ton esprit, ta générosité, ton humour, ton insolence, ton courage et ta fidélité sont un cadeau incroyable pour moi. Ils s'étaient dit oui le 11 avril 1996 et sont devenus au fil des années l'un des couples les plus aimés d'Hollywood. Leur dernière apparition sur le tapis rouge a eu lieu au Met Gala, le 1er mai. Ils ont également été aperçus ensemble dans les tribunes de Wimbledon, lors de la finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic en juillet.